Bonjour à toutes et à tous, le soleil se lève sur une nouvelle aventure, un nouvel épisode. Vous avez pu voir pendant l'intro exceptionnellement faite en timelapse un énorme boulot qui a eu lieu juste ici derrière moi. Et puis on va en parler évidemment dans cet épisode, mais d'abord un petit peu de teasing. J'ai énormément de projets à vous montrer, il s'est passé énormément de choses ces derniers temps sur le serveur. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, bien sûr, on va construire dans cette zone moderne, mais on va aussi faire un petit tour en Égypte, un petit tour dans le Nether, et on ira voir aussi le projet des autres joueurs sur la ville moderne, pas que celui où je me tiens à l'instant. Donc je vous dis à tout de suite dans la zone moderne, mais d'abord, un petit tour en Égypte et dans le Nether. Première étape de notre petite visite des dernières avancées, l'Égypte. Pendant les vacances de février, il y a eu deux lives de mercredi de suite pendant lesquels, avec Kira, nous avons aménagé ce quartier égyptien. Donc avant, il n'y avait pas grand-chose, hein, c'était de l'herbe, et maintenant, il est terminé. Alors, on va se faire une petite visite. D'abord, on commence par cette petite boutique ici que j'ai aménagée avec les conseils très précieux de nos amis viewers du live. Et donc, voilà ce que ça donne. On peut rentrer à l'intérieur même si les intérieurs ne sont pas aménagés. On a un étage et puis on a une terrasse assez sympathique avec quelques caisses et puis un tapis sur le plafond. On va redescendre tout de suite de manière assez peu académique, je dois le dire. Là, on a un bâtiment conçu par Kira qui est très 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 sympa de par sa forme parce qu'il est sur plusieurs niveaux. Donc on a cet intérieur où on peut grimper, là on se retrouve dans la petite ruelle. Ça va être assez labyrinthique les amis, hein. Vous allez vous perdre, ne vous inquiétez pas. Ensuite on peut monter à l'étage, on a une autre maison et on peut encore monter et on se retrouve sur une terrasse abritée avec une pergola très sympa. On avait déjà utilisé ce système avec les pancartes, les trapdoors pardon. Et les dalles, on l'avait utilisé, je sais plus où, mais sur un autre toit, on l'avait déjà fait. Ça rend très très sympa et c'est tout biscornu, c'est génial. On va reprendre cette petite ruelle et on se retrouve là dans une allée beaucoup moins prestigieuse que les rues principales de la cité, mais qui sont aussi beaucoup plus sympathiques, je trouve, qui ont beaucoup de charme. Parce que voilà, là ici on a une petite boutique, c'est Kira qui l'a conçue. J'aime bien les couleurs de laine, on a su varier par rapport aux autres quartiers de la cité. Là on peut retourner vers la rue principale. On a une petite maison qui est très sympa, mais on passera de l'autre côté, je vous la montrerai à un autre endroit. Là on a encore une autre maison. Voilà, il y a des maisons partout en fait, hein. Je vais arrêter de dire qu'il y a des maisons. Ça a été conçu lors du dernier live par Kira. On peut monter sur le toit et j'ai beaucoup aimé son petit rebord là fait en escalier. C'est très sympa parce que c'est quelque chose de très fin. En plus, c'est des dalles en position basse, donc ce n'est pas spawnable. Et puis, il y a toujours ces dénivelés que Kira apprécie énormément et qui vraiment donnent beaucoup de charme. Là, on a une petite ruelle abritée qui permet de rejoindre les grands axes. On peut rentrer dans la petite maison qui a des fenêtres très sympas. On va aller voir mieux de l'autre côté. Hop, cette maison ici est un petit peu haute de plafond, mais elle donne sur différentes parties de la ville. Donc là, on se retrouve avec un petit champ qui a bien poussé. Et puis, cette petite mare que j'aime beaucoup. On avait fait il y a longtemps cette petite ferme ici qui abrite des vaches. Donc je voulais retrouver le côté un petit peu fermier de ce quartier. Et donc du coup on a laissé la mare, on a mis quelques champs de blé, des petites planches au sol. Et voilà, ça donne une petite ambiance très sympathique à ce quartier. Et on peut remonter dans cette maison. On retrouve la boutique voilà avec la laine bleu ciel qui a été conçue par Kira. On va repasser dans la rue principale avec ce petit passage abrité qui est sympa. On se retrouve dans l'allée, donc pour vous resituer, hein, parce que c'est vrai qu'on se perd facilement. Là, c'est la maison où on a commencé la visite. On reprend l'allée principale et là, on a une petite maison que j'ai faite et que j'aime beaucoup. J'ai repris l'idée de Kira d'avoir des escaliers qui montent
pour accéder à la terrasse, mais cette maison n'a pas de porte. En fait, autrefois, hein, dans les cités orientales, certaines cités étaient conçues avec des accès uniquement par les toits, donc je me suis dit, bah pourquoi pas? Et là, voilà, on arrive dans la maison qui n'est pas aménagée, le sol est en sable, mais il n'y a pas de porte pour aller vers l'extérieur, il faut forcément monter par cette échelle, ça se faisait. Là, on arrive dans une maison en bois d'acajou qui a été designée avec les viewers du live. C'était très, très, très sympa. C'est vrai que maintenant, on va sûrement rester un petit moment sur la plateforme Hitbox pour les lives, parce que l'avantage de Hitbox, c'est que le délai entre les réponses que vous pouvez me donner et le moment où je les pose, où je pose les questions, est beaucoup plus faible. Et du coup, ça permet une interactivité beaucoup plus intéressante. Et on a vraiment construit cette maison-là ensemble. On va juste terminer la visite par le toit où on a fait des petits aménagements très sympas, avec cette petite pergola avec de la végétation qui retombe, et puis ce petit endroit pour les boissons, pour le thé. Alors Ger sur le live nous a dit que les Égyptiens ne connaissaient pas le thé, mais qu'ils se faisaient déjà sûrement des infusions avec d'autres plantes. Donc on peut imaginer, voilà une petite infusion, et puis là on a fait des petits poufs avec des couches de neige. Deux petites couches de neige pour éviter le spawn. Donc ça donne un coin plutôt sympa avec une jolie vue sur la ville qui vraiment, enfin en tout cas ce quartier commerçant et populaire, vraiment commence à ressembler à quelque chose. Bon, il nous reste évidemment encore pas mal de travail, mais enfin, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais l'aspect général est vraiment superbe. Allez! Fini la visite du quartier égyptien, même si on pourrait encore y passer des heures à regarder tous les petits détails que l'on a donnés dans toutes ces petites ruelles. Mais on va se retrouver tout de suite dans le Nether pour vous montrer l'avancée sur le couloir de l'usine à Guardian. Nous voici dans le hub central d'où partent tous les chemins vers les différentes zones de chacun, vers les usines, etc. Et là, justement, en face de moi, c'est le chemin vers l'usine à Guardian, qui est quasiment terminé, hein, ce chemin. D'ailleurs, ça se trouve, il a été terminé pendant la nuit au moment où je recorde. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu le pattern. Déjà, l'entrée, bah, nous indique très clairement les couleurs qu'on va utiliser, hein, et les blocs, les différents matériaux, prismarines de toutes les sortes. Du grès, pas mal de grès, un petit peu de boulot, et puis du grès rouge qui donne cette couleur orangée très 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 sympa. Alors en fait, il y a deux types de patterns. Premier pattern, c'est celui-là, qui est celui qui va être répété le plus. Donc voilà, hein, vous voyez très clairement à quoi ça ressemble. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans ce style. On a pas mal travaillé, hein. Faut savoir que ce pattern, on l'a réalisé en live, un live complètement improvisé, où du coup tout le monde, enfin pas tout le monde, mais presque tout le monde était présent. Il y avait Greby, Tidus, Karjak, Kira, moi-même. Donc on était nombreux à travailler sur ce pattern. Et bien sûr, les viewers nous ont donné beaucoup de conseils. C'est vrai que je fais pas mal de pubs pour le live dans cet épisode. Mais c'est vrai que c'est vraiment très très agréable de pouvoir construire avec vous. Et donc, si vous en avez la possibilité, suivez-nous sur Twitter, on annonce là-bas les lives. Deuxième pattern, et c'est celui-ci que je trouve très très sympa et qui donne vraiment toutes les comment dire, la spécificité de ce tunnel, c'est le pattern œil de Guardian, qui a été designé par Kira. Enfin, c'est une idée de Kira au départ, et puis on a aménagé avec des petites touches personnelles, chacun a apporté ses idées, mais au départ, c'est vraiment Kira qui a designé cet œil, et ça rend super bien. On a vraiment l'impression de voir un œil de Guardian. Donc, on ne l'a pas mis à chaque fois, on les a mis face à face, ses yeux, et puis vous voyez, voilà, on alterne avec les patterns classiques, trois patterns classiques, plus le pattern de l'œil. Et du coup, ça rend super bien. Enfin, en tout cas, encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, moi, j'adore ce tunnel. Il a la classe. Et maintenant, on peut aller à l'usine à Guardian de manière vraiment très, très, très sympa. Allez, on se retrouve maintenant dans la zone moderne. On va aller voir toutes les constructions de chacun. Et puis, on construira un petit peu ensemble pour terminer cet épisode. À tout de suite. Alors, nous voici de retour dans la zone moderne et il faut prendre un petit peu de recul pour apprécier à sa juste valeur l'énorme projet qu'est en train de construire Korfandar. Alors, bien sûr, hein, vous le voyez, tout ça est encore en construction, hein. Évidemment, ça n'est absolument pas terminé, mais ça vous donne
une idée de la taille, de l'ampleur du bâtiment moderne qu'est en train de construire Korfandar. Alors bien sûr, hein, il a fallu qu'il mette l'emblème de son empire, l'empire de Korfandar. On va aller voir ça un petit peu plus près, bien sûr, comme tout est en construction, on va pas trop s'attarder sur la visite de l'intérieur, hein. Juste vous donner une petite idée de l'échelle du truc. Là, bon, c'est un véhicule qui a absolument pas fait, en plus il a été un petit peu abîmé. C'était juste pour se donner un ordre d'idée, en fait. De la taille des véhicules standards par rapport au bâtiment. Et vous voyez que c'est gigantesque. Donc on a tout un... Alors, à quoi va servir cet immeuble? D'après ce que m'a dit Corfandar, c'est un immeuble avec des bureaux, il y aura peut-être un casino, des choses assez sympathiques à l'intérieur. On est proche de la mer, donc ça sera quelque chose d'assez luxueux. Il nous a fait un ascenseur à Minecart, vous voyez avec les pièges pour savoir si l'on doit monter ou descendre. Donc là nous sommes au 0, si là au 1, etc. Donc on peut facilement se repérer. Quatrième étage et on va aller tout en haut parce que ça monte très très haut. On est déjà au 18e. Allez, on est arrivé. Oula. On était arrivé au 24e, mais je crois que le dernier étage n'est pas totalement fait. Voilà, donc on est super haut. On monte très très vite avec ces ascenseurs, hein. Donc là-bas, il y a le projet de Kira qu'on va aller voir dans un instant. Mais les quantités de verre sont phénoménales. Donc en fait, ce qui va se passer. Par contre, j'ai pas trop. Si, c'est pour descendre. 21e. Ah ouais, c'est moins pratique pour descendre. Je sais pas jusqu'à quel étage on va descendre. Voilà, on aura des étages comme ça avec des différents niveaux. Ouais, je crois pas qu'il ait aménagé d'étages encore représentatifs hein, de ce qu'il veut faire, mais enfin, il y passe des heures et des heures, c'est juste énorme. Énorme. Voilà, je voulais juste aller. Alors, ouais, on va se la tenter comme ça. Je sais que lui est mort très souvent. Dans sa construction, enfin très souvent, quelques fois disons. Ouais, on est juste de l'autre côté du logo qui est tout en quartz. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, écoutez les amis, voilà, donc c'est tout en construction, mais c'est assez énorme. Suivez Corfandar sur Twitter parce qu'il poste très régulièrement des photos de son avancée. Donc si vous voulez le voir construire, eh bien c'est sur Twitter que ça se passe. Et nous, on va tout de suite voir le projet de Kira. Alors, nous voici à côté du projet de Kira, un projet qui nous a amené à raser une toute nouvelle zone de la ville. Hein. On a dégommé deux montagnes ici et là qui étaient juste énormes. Vous en voyez un petit bout, mais c'était encore plus haut. C'est pour ça qu'il y a encore le beacon. Vous voyez aussi par rapport à l'immeuble de Corfandar où nous nous trouvons. Et donc là, Kira est en train, à côté de la grande avenue, qui est la même hein, dans le prolongement de celle de la zone industrielle. Elle est en train de faire un immeuble d'habitation et elle s'inspire fortement d'immeubles construits par Le Corbusier, notamment avec ses piliers comme ça en penché qui surgissent du sol. Bien sûr, tout ça va être à travailler, hein. Mais elle a déjà construit un premier étage, ce qui a demandé énormément de ressources. Regardez, rien que pour l'andésite, c'est assez énorme. Alors pour monter, on a une cage d'escalier qui est juste ici et qui nous permet d'atteindre les étages. Et vous voyez qu'à l'intérieur, on a pas mal de place, hein. Il va y avoir de quoi faire des appartements assez spacieux. Tiens, un petit peu de matos. Même pas mal de matos, blindé de matos. Donc évidemment l'aménagement intérieur, je pense que elle le fera après si elle le souhaite. Et puis voilà, on arrive au niveau du deuxième étage et là elle a commencé à construire quelque chose, enfin à construire tout simplement la suite. Je ne sais plus combien il va y avoir d'étages, mais attendez-vous à quelque chose d'assez haut, d'assez grand. Mais c'est du moderne, hein, ça prend de la place, toujours une question de se mettre à l'échelle. Mais en tout cas, ça va être très sympa. Et puis du coup, ça nous a permis de commencer à défricher un petit peu du côté de la baie qui sera la zone touristique avec des beaux immeubles, avec la plage, etc. Bon, enfin, il y a tout ça encore à casser. Allez, on se retrouve du côté de la zone industrielle, tout là-bas, 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 là-bas. Et nous voici à côté de la zone industrielle. Et si on s'arrête ici, c'est parce que Kira nous a fait une jolie petite surprise. Je me suis connecté au serveur et voilà ce que j'ai vu à côté de l'usine la dernière fois. Un super
superbe camion. Je le trouve mais vraiment génial. En quelques blocs, elle a su réaliser une forme très 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 sympa qui donne vraiment l'illusion de voir un camion tout simplement, hein. Alors elle m'a dit qu'elle avait volontairement exagéré certaines formes du camion, mais ça se voit pas en fait l'exagération parce qu'on est dans Minecraft, parce qu'on travaille avec des gros blocs. Et donc du coup voilà, on a ce camion très sympa qui transporte des troncs d'arbres, les restes de la forêt d'acajou, les restes de la jungle. Et franchement, je trouve ça génial. Au niveau des roues, elle a utilisé des item frames avec des ender pearls, ce qui est pas mal. On verra si on garde ce système ou pas. Moi, sur d'autres formes, j'avais utilisé des petits boutons. On verra si on uniformise ou pas les camions. Après tout, c'est pas nécessaire. J'aime bien aussi le piston ici qui fait l'accroche de la remorque. La remorque est très stylée, elle a quand même réussi à caser par exemple les phares arrière du camion. Et puis à l'intérieur, voilà, c'est de la déco, hein. Il y a le siège, il y a le tableau de bord. Mais franchement, je trouve ça mais génial. Elle l'a nommé DA 2015, je sais pas pourquoi le DA, mais en tout cas, voilà ce superbe camion qui est le premier camion de l'avenue et de la ville même. Mais très 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 sympa. Alors, revenons à notre construction, à ce que je vous ai montré au tout début de l'épisode. À quoi va bien pouvoir servir cette grande plateforme, énorme plateforme, hein, quand on est dessus à hauteur de joueurs, on constate vraiment qu'elle est très très grande. Eh bien, tout ça, ça va être un port à conteneurs, et là, on est sur un des quais de débarquement. Alors, vous voyez ici que j'ai posé les bases d'une grande digue qui viendra protéger le quai où nous sommes. Je l'ai pas aménagé encore, ça consomme énormément de blocs, énormément de temps. J'ai passé des heures à construire ça, et je vais vous montrer pourquoi. Ça, vous l'avez peut-être pas vu sur le timelapse, on le voit pas très bien là à l'image parce que c'est très sombre, mais les quais se prolongent jusqu'au fond de la mer, que ce soit ceux de la digue ou ici. Alors, je vous cache pas que sous l'eau, hein, j'ai pas mis beaucoup de détails, il y a à peine quelques colonnes de cobble là qui remontent, qui renforcent un peu le mur et qui évitent qu'il paraisse tout lisse, mais on est vraiment sur quelque chose de simple sous l'eau. Au-dessus de l'eau, j'ai mis un petit peu plus de détails et je pense que je repasserai un petit coup ici avec de la cobble, vous savez, la cobble moussue, pour donner l'impression qu'il y a comme des algues qui se sont posées sur le bord de la digue, le bord du terre-plein. Sinon, sous l'eau, enfin sous la digue, pardon, on voit qu'il y a encore l'eau, il y a mes coffres là-bas. Tout ça, je le laisserai vide, hein, évidemment, je vais pas m'amuser à le remplir. Alors, si j'ai construit ça en timelapse, c'était pour vous montrer... j'ai pas de flèche, ce côté un petit peu répétitif, fallait que ça aille vite. Maintenant, on va construire des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus jolies, et on va commencer par se faire des grues, une grue qui va transporter des gros conteneurs, parce que là ici c'est un quai de déchargement, on pourra se mettre un bateau, un porte-conteneur ici, je pense qu'il y a la place, en plus il y a la profondeur, ça vous l'avez vu. Donc, on va se retrouver dans quelques instants pour construire cette grande grue que j'ai déjà designée en créatif et qui est très 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 sympa et qui servira à décharger les navires. Hop, n'explose pas s'il te plaît. Après, ici, il y a toute une zone dont je vous parlerai de multiples reprises parce que c'est la fin de l'avenue et je sais pas trop comment je vais designer ce côté. C'est pour ça que là... c'est juste des lignes que j'ai placées en repère, mais je ne vais pas construire tout de suite. On a deux possibilités, soit l'avenue bifurque, c'est ce que j'ai matérialisé ici, et là, il faut qu'on design un pont en diagonale, mais qui va être assez court, à moins de raser la petite île qui est au milieu du chenal ici. Un pont en diagonale, ce qui n'est pas forcément facile. Ou alors, l'avenue continue tout droit, et on se fait un très grand pont suspendu qui va jusque là-bas. Seule difficulté, c'est qu'il faut que ce pont soit suffisamment haut. Là, c'est pas le cas. On n'est pas assez haut au-dessus du niveau de la mer. Donc, ça veut dire qu'il faudrait qu'on le fasse grimper. Et ça, c'est pas évident sur une si courte distance. C'est pour ça que j'ai pas prolongé la route. Parce que il faut que les bateaux puissent continuer à passer dans ce chenal, puisque des activités portuaires, évidemment, il y en aura de ce côté-là, hein, on va commencer par ça, mais il y en aura aussi de ce côté-là. Peut-être plus des activités de petits ports de pêche, donc peut-être plus des petits bateaux. Mais quand même, il faudra que le pont soit assez haut pour que les bateaux passent dessous. Je pense pas me lancer dans un système de pont levant, ça risque d'être un peu compliqué, enfin je ne sais pas.
À voir, peut-être, hein. Peut-être. Donnez-moi votre avis là-dessus. Est-ce que vous préférez un pont en diagonale, dur à designer, mais voilà. Ou alors un pont tout droit qui sera forcément plus impressionnant, un pont à haubans, un pont suspendu, un pont levant. Ça peut être des idées intéressantes que vous pouvez me proposer. Bon, j'ai assez blablaté comme ça, sinon l'épisode va durer 3 ans. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la construction de cette grande grue, portique pour les conteneurs. À tout de suite. Et nous voici devant cette grue portique terminée. Alors j'espère que le petit timelapse vous a plu. On va faire un tour rapide, on va se mettre en mode normal pour visiter un petit peu tout ce que j'ai construit. Alors j'avais commencé par faire hors caméra ce petit système de rail qui soutient la grue portique, donc ça lui permet de se déplacer tout le long du quai pour aller décharger un éventuel navire qui serait stocké ici. C'est une grue qui est spécialisée pour les conteneurs, donc l'écartement ici correspond à un conteneur. Donc vous verrez, hein, j'en mettrai sur le port, bien sûr. Ici, il y aura tout un lieu de stockage, et ça correspond à peu près à la taille des camions que l'on va faire, que je vous ai déjà montré avec le camion de Kira. Donc j'ai essayé de respecter un petit peu les proportions. Ensuite, j'ai mis juste des petites rigoles pour casser un petit peu la régularité du quai. Ça fait comme des petites gouttières, enfin pour l'eau. J'en mettrai d'autres, hein, évidemment. On va grimper dans la grue. Alors pour grimper, bah, il y a deux moyens, hein. C'est ces deux piliers-là. Et c'est assez bien aménagé en haut puisque c'est vraiment fait exprès pour qu'on puisse grimper en toute sécurité. Parce que arrivé en haut, il y a des petites rambardes qui vont nous éviter de tomber. Voilà, regardez, hop, comme ça, on peut passer et on tombe pas. Donc normalement toute cette partie-là on n'y a pas accès, c'est juste la partie avec le système de bras. Je vais quand même m'avancer pour vous montrer. J'ai eu de la chance pendant toute la construction, je suis pas tombé une seule fois involontairement, je suis tombé des fois mais c'était volontaire. Donc vous voyez, il y a ce système de bras télescopique là qui peut vraiment faire
voyager les conteneurs en fait. Là, on est en position pour décharger un bateau. Et puis après, les bras se rétractent. Ils vont sous la petite cabine. Hein, c'est étudié pour. Les bras peuvent se rétracter dessous. Il y a la place pour passer. Et ensuite, eh bien, ils transportent le conteneur dans la zone de déchargement. Alors, on va essayer de passer sans trop tomber. Voilà. Ici, de ce côté, on a la petite cabine qu'il va falloir aménager. Donc, avec des commandes à l'intérieur pour contrôler. On peut voir ce qu'on charge. On peut voir de l'autre côté, pas tellement. On voit pas tellement ce qu'on décharge. Mais on peut sortir pour admirer le port et la rue qui est pas du tout encore terminée. Donc, voilà ce que ça donne pour cette petite grue. J'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, je la trouve très sympa. Je me suis inspiré d'une grue qui est dans SimCity Build It, le petit jeu sur portable auquel je joue. Hein. J'ai très largement copié, même si, bien sûr, on est dans Minecraft. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez comme pont, un pont oblique ou un pont tout droit. N'hésitez pas non plus à commenter les constructions, les projets de Corfandard, de Kira, le petit camion qu'elle a fait, etc. Et puis moi je vous donne rendez-vous sûrement dans 2 semaines pour le prochain épisode. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut, salut!